Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On est le 14 décembre et aujourd'hui les amis, j'ai sorti la chemise, vous savez pourquoi? Dans une dernière vidéo, je vous ai présenté comment jouer Byron Love. Et aujourd'hui les amis, je vais vous présenter trois joueurs. Je vais vous présenter mon milieu de terrain titulaire les amis. Trois joueurs, je vais vous les faire découvrir. Je vais vous dire comment je les joue, avec quel Mixi Max. Vous êtes pas prêts les gars? Vous allez découvrir le milieu de terrain avec qui j'ai fini Inazuma Eleven Go Galaxy à 100%. On est tout de suite parti. Here we go. On met la musique. Let's go les amis. Du coup, bien sûr, on a monsieur Byron Love. Et les amis, les trois milieux, c'est qui? Tensuru, Yurkei et monsieur Bay Laurel, le joueur de Kirkwood. Du coup les amis, je vais vous présenter déjà comment je les joue, leur technique. Vous pouvez le voir, épée du roi, esquive acrobatique, ravin d'Okazama. Vous pouvez mettre une petite technique du coup de contre comme le ravin, et ensuite faveur de terre et génie offensif. Les gars, Laurel, c'est du très très lourd. En défense, en 6 les gars, attraction comme Byron Love, talent de fou furieux, puisqu'il peut récupérer la balle sans faire de duel, c'est une dinguerie. Et faveur du bois, on a monté la défense et la maîtrise. Laurel, la maîtrise. Et Tensuru, les amis, frappe, maîtrise. Faveur du feu, génie offensive comme Laurel, les amis. En fait, je fais tellement confiance à mes défenseurs que je vous présenterai dans une autre vidéo que Yurkei, les amis, ça suffit en 6. C'est du très, très lourd. Je vais vous présenter du coup leur Mixi Max, etc. On va commencer tout de suite avec monsieur Tensuru. Et les amis, Tensuru, je le Mixi Max avec Yankee, les gars. Avec Yankee, du coup, on lui donne Yankee qui a déjà le talent esprit technique. Esprit technique, et j'ai rajouté du coup une faveur du feu. Les gars, c'est du très très lourd. Vous pouvez mettre du coup un esprit guerrier à Yankee. Vous allez à la tour, tout ça, tout ça. Et vous avez un Mixi Max de folie. Regardez-moi le, il a un très 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 bon flow. Voilà les gars, c'est du très très fort. Vous pouvez voir les talents. Faveur du feu, génie offensif, esprit technique, faveur du feu. Le Mixi Max blanc, les amis. J'ai mis sort en tir au cas où, mais le Mixi Max blanc, c'est du très très lourd. Laurel, les amis, c'est avec Sakamoto, le Mixi Max de Ryoma. Vous le savez, il a déjà super technique. Je lui ai rajouté une faveur de la terre. Et là, Laurel, les gars, Laurel devient extrêmement cheaté avec son esprit guerrier. C'est une dinguerie. Si vous faites armure, épée du roi, ça sort des valeurs de zinzin. Tout merde, je vais vous montrer ça juste après. Mais en tout cas, dans le jeu, les amis, c'est vraiment très très bon. En termes de valeur, c'est pas forcément le meilleur, mais franchement, les trois ensemble, c'est du très très lourd. Et ensuite, les amis, j'ai cherché un Mixi Max qui avait l'esprit technique. Je vous conseille de faire pareil pour faire des bonnes valeurs défensivement. Du coup, voilà, j'ai fait ça, et vous pouvez rajouter Big Bang Splash dans le cas d'Hiro. Ça, c'est en fonction de vos joueurs, c'est en fonction des joueurs que vous avez joué. Vous pouvez très bien aller chercher un Ricardo, lui mettre faveur du bois et aller essayer de chercher l'item esprit technique dans un match. Mais en tout cas, voilà les gars. Les trois milieux, ils sont là avec le petit Hiro. Et je vous avoue que très content. Très content, ça envoie du très très lourd. Je vais vous montrer une valeur pour chacun. Voilà, vous allez faire votre propre expérience visuelle. Voilà, c'est des petits défis, ça fait plaisir. Allez, on va commencer directement. On va commencer directement avec Yurkei du coup. Non, on va pas commencer à Yurkei puisque ça sert un peu à rien, puisque c'est un défensif. Je vais prendre le blanc, je vais envoyer la balle là-bas. Voilà, hop, on va envoyer la balle tranquillement. Et les amis, let's go, on va essayer de défendre du coup avec monsieur Tensugeru. Et je me suis totalement trompé, hein. Non, non, c'est bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, on va faire blocage, on va récupérer cette balle et on va vous montrer du coup la valeur qu'il est capable de faire avec voler deux coups, les gars. Franchement, c'est... ça fait plaisir. Des bons petits milieux comme ça, je suis content de vous les présenter. 2735 de dribble. Vous le savez très bien que c'est une très 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 bonne valeur. Et ensuite, vous pouvez faire plaisir, voilà. Une petite armure, une petite frappe. Ça fait toujours plaisir. L'armure qui est très belle, en vert. Ça rappelle un peu les cheveux. Et franchement, c'est de plutôt bonnes valeurs en technique de frappe. Mais c'est pas forcément ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de briser une ligne de défense pour aller faire marquer, dans mon cas, Axel Blaze et Beilong, bien sûr. En tout cas, voilà. Pour Tensugeru, je l'appelle Tensugeru parce que je trouve que ça sonne mieux. C'est une valeur de 2700 en dribble, les gars. Franchement, 2700 en dribble, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais vous montrer du coup monsieur Yurkei. Défensivement, les gars, c'est franchement pas mal, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite avec du coup Yurkei. Je lui ai mis Berserker ou Fou Blanc. Donc on va invoquer Berserker, c'est son esprit guerrier de base. Pour voir, hein, j'ai même pas
Je l'ai même. Ah si, je l'ai au max. J'ai rien dit. Ok, bah déjà, il fait un blocage. Il fait un blocage. On va essayer d'aller. Oh là là, c'est terrible! Les gars, il est trop fort! Il est trop fort, les gars! Ok, c'est bon, on a enfin. Les amis, vous avez pu voir, hein, double. Double récupération. Tempête du dragon, 2266, les gars. 2266. Vous avez bien vu, du coup, comment. Comment on peut faire du sale. Et les amis, je vais vous directement vous montrer du coup Monsieur Laurel qui attend passivement dans les cages. On va invoquer Léo, bien sûr. Et je vais vous montrer du coup en technique de dribble ce que ça donne en armure et en mixi max. Hop, d'abord en mixi max, en esprit guerrier, puis en mixi max. Voilà, donc griffe d'or pour Laurel. Voilà, 2470, hein, c'est vraiment des très très bonnes valeurs. Et en armure, du coup, ce que ça donne avec épée du roi. Voilà, épée du roi, c'est moi qui lui ai rajouté de souvenir. La petite Léo, seigneur de la savane, la petite armure qui est toujours aussi belle, elle fait plaisir. Et épée du roi, tranquillement, avec l'esprit, la super technique, 4140, les gars. Voilà. Et derrière, du coup, on peut se faire plaisir à enchaîner les épées du roi. Sans critique, voyons ce que ça donne. Épée du roi V2 qui n'est même pas au max. Voilà, c'est du 1480, c'est un peu moins, mais ça fait toujours plaisir. Et du coup. Voilà les gars, voilà, en termes de maîtrise, de défense, qu'est-ce que vous en pensez? Ma formation avec Tensuru, Laurel et Yurkei, je vous les conseille vraiment, hein. Si vous pouvez les jouer de la même manière que moi, n'hésitez pas, vous m'envoyez une petite photo sur Instagram dès que vous avez fait ça. Voilà, Berserker pour Esprit Guerrier, Surt et du coup Blanc avec le Mixi Max et Léo pour Laurel. Les trois milieux de terrain qui font extrêmement plaisir, et les amis, bien sûr, avec Beilong, c'est un quatrior de malade. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai expliqué quel est mon milieu de terrain principal. Vous avez la vidéo avec Beilong aussi, bien sûr, mais Byron qui est sorti le 11, je crois. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce milieu de terrain? Qu'est-ce que je peux faire de mieux selon vous en fonction de vos joueurs à vous, ce que vous avez joué? En tout cas, moi, c'est les joueurs que j'ai découverts au cours de l'aventure, que j'ai joué et avec qui j'ai réussi à faire mes rangs S. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je compte sur toi pour être présent. Merci beaucoup pour toute la force que vous me donnez pour cette série sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao!